Nelgus, alors aujourd'hui nous sommes sur Minecraft et nous nous retrouvons pour un tuto. Donc aujourd'hui nous réaliserons donc un lampadaire et une plante, voilà, un petit pot de fleurs assez stylé en feuilles pour décorer vos rues, vos trottoirs dans une ville. Ça peut être très stylé et puis ça comble bien les places et ça peut donner des bonnes idées. Donc c'est parti, donc on va commencer pour ce tuto. Donc déjà il vous faudra du béton blanc, des murets d'andésite, des clôtures en chêne noir, des dalles de quartz, escalier de quartz, trappe en sapin, entonnoir, lampe de redstone et des capteurs de lumière. Donc on commence. Vous prenez donc du béton blanc, vous placez un bloc comme ça au sol. Ensuite vous prenez les murets d'andésite, vous placez deux blocs de hauteur comme ça. Ensuite vous prenez donc du coup les clôtures de chêne noire là. Vous placez 6 blocs, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 blocs. Ensuite donc vous allez prendre les dalles de quartz, vous placez un bloc comme ça. Ensuite vous en placez un autre, voilà, vous placez deux blocs comme ça de chaque côté quoi. Voilà, après je me trompe. Ah voilà, donc à la fin normalement vous avez, voilà, donc un truc comme ça quoi, faut que ça rentre. Ensuite donc vous allez prendre les escaliers en quartz, c'est un bloc voilà à l'envers pour placer dans ce sens là hein. C'est dans ce sens là qu'il faut les mettre. Hop, ensuite vous voilà, pareil de ce côté là tac, escalier dans ce sens là ensuite ce que vous allez faire, vous allez prendre les entonnoirs, vous allez pas placer ça comme ça, hop, vous allez mettre une base voilà, au sol pour placer du coup l'entonnoir comme ceci, voilà, tac, pareil de ce côté là hop, 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 entonnoir comme ça. Ensuite vous allez donc vous mettre en sneak, hop, vous placez la lampe de redstone dessus, pareil de ce côté là hop, voilà. Ensuite après vous prenez donc les capteurs de lumière, vous les mettez donc au dessus. Ensuite après ce que vous allez faire, moi je vais passer une petite base là, voilà, comme ça. Hop, vous mettez en sneak et vous placez deux barrières, deux clôtures de... Oh, c'est des clôtures. Ouais, clôture de chêne noir. Hop. Pareil donc du coup de ce côté-là. Hop. Tac. Donc voilà, comme ça. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre... les trappes en sapin, vous placez ça comme ça, comme ça, une là et une là, tout autour du bloc en fait, et ici, voilà, pareil donc du coup de ce côté là vous placez donc les trappes en chaîne tout autour de ce bloc là, voilà. Et donc voilà, après vous avez donc un lampadaire assez stylé qui peut bien donc du coup décorer vos rues, ça peut être sympa. Donc après voilà, comme je dis, je précise donc du coup, ah oui, dernière chose que j'ai pas précisé, c'est que j'ai un pack voilà qui s'appelle Texture Moderne HD. Donc après bah voilà, il est payant, hein, il est sur le magasin Minecraft. Mais bon, après voilà, ça rendra aussi joli sans le pack. Hein. Mais après voilà, c'est la manipulation qui compte. Si par exemple voilà, vous pouvez mettre, moi j'ai mis du noir, mais vous pouvez mettre des clôtures en bouleau, là vous pouvez mettre des dalles en pierre rouge, en ce que vous voulez. Enfin, ça n'a pas d'importance. C'est vraiment la technique qui compte quoi. Après vous pouvez mettre de toutes les couleurs que vous le souhaitez. Ça n'a pas vraiment d'importance. Moi c'est juste la technique que je vous donne. Et donc voilà, ça, le motif, ça rend ça quoi. Donc voilà, ça c'est pour le lampadaire. Ensuite donc du coup, on va passer au pot de fleurs. Donc avant de commencer la plante, petite information, j'avais dit donc que les vidéos sur ma chaîne seraient le lundi et le vendredi, du coup je modifiais ça, ça serait plutôt le mardi et le vendredi, voilà. Après vous me direz vos retours dans les commentaires, qu'est-ce que vous préférez, et puis au fur et à mesure de ce que vous préférez, on changera. Donc ensuite il y a aussi le serveur Discord pour être notifié des nouvelles vidéos, des nouveaux lives et les projets sur la chaîne, etc. etc. Voilà, n'hésitez pas à le rejoindre, il sera dans la description, ainsi que pour la map aussi. Voilà, sachez qu'on recrute des personnes pour commencer notre ville RP. Donc voilà, après je vous dis juste ça, après allez voir dans le serveur Discord, il y a tout est dit, voilà. Donc voilà, je vous laisse avec ça. Donc après voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, etc. etc. Donc c'est parti, on va commencer donc du coup la plante. Pour ça il vous faudra des escaliers en granit poli, des feuilles de chêne noire et des conduits. Donc voilà, avec le pack ça rend, voilà, ça rend comme ça, les feuilles de chêne noire sont rouges, les conduits sont un peu comme sur le banc que j'avais mis, ça peut servir d'éclairage assez sympa. Mais bon, vous par exemple pour les feuilles de chêne noire qui moi sont rouges, vous pouvez prendre de la laine, vous pouvez prendre des feuilles vertes, ce que vous voulez, c'est toujours la technique qui compte hein, comme je vous le dis. Et je précise bien sûr que le pack sera dans la description qui s'appelle Texture Moderne HD. Donc voilà.
Hop, donc on va commencer. Vous allez prendre déjà dans un premier temps les escaliers là. Ah, vous placez ça comme ça. Vous faites un voilà des escaliers à l'envers 4 sur 4. C'est dans le sens, pardon. Hop, comme ça. Et comme ça. Donc voilà. Escalier 4 sur 4 à l'envers. Hop, pareil au-dessus. Vous faites ça comme ça. Vous mettez voilà. On va les faire trois. Toujours à l'envers. Hein. Hop, de chaque côté, comme ça, deux. Hop, voilà, donc ça, comme ça. Donc voilà, ça c'est le voilà le pot de fleurs, quoi. Hop, donc après vous allez prendre, moi je prends toujours les feuilles de chêne noire, hein, donc du coup je dis ça pour ceux qui ont le pack, ou ceux qui désirent l'acheter, voilà. Alors, feuilles de chêne noire, du coup, vous allez tourner dans le même sens que moi, par exemple, après vous pouvez prendre n'importe quel côté, mais après, voilà. Vous allez faire ça, comme ça. Voilà, vous faites un angle dans ce sens-là. Ensuite, ici, vous allez mettre une feuille comme ça. Vous allez mettre une feuille ici et une feuille comme ça. Après du coup, vous allez tourner bien sûr du coup côté droit, hop, donc dans ce sens-là. Vous allez placer deux feuilles comme ça et une feuille ici comme ça. Voilà, ça comme ça. Ensuite, sur ce côté-là, deux feuilles comme ça. Vous allez en placer une là, mais une au-dessus, voilà, comme ça. Ensuite, donc ici, vous allez passer une feuille là, comme ça. Hop, vous le mettez en escalier comme ça. On continue du coup vers la droite. Après, vous allez placer donc du coup une feuille là. Pour la base, voilà, vous mettez deux blocs comme ça et un comme ça. Voilà. Vous mettez une feuille derrière. Vous en mettez aussi une ici. Et là, vous placez deux blocs comme ça. Après. Vous mettez donc ici, comme ça, vous placez une base là, hop, vous faites deux comme ça, celle-là vous la cassez, et vous replacez une comme ça, hop, et celle-là vous la changez de place, vous la mettez comme ça, tac, et là vous cassez ces deux-là, hop, pas trop bas, voilà, comme ça donc, hop, et donc sur cette partie-là, là, hop, vous rajoutez une feuille comme ça. Donc voilà, pour la plante, ça donne donc du coup ça, donc voilà, je fais un tour pour vous montrer. Vous voyez que dans tous les plans qu'elle a, ça rend assez stylé. Voilà, ça peut assez bien décorer vos rues, sur les trottoirs, tout ça, ça peut rendre en tout cas assez sympa. Moi, c'est ce que j'ai fait dans ma ville. Et voilà, je trouve ça assez stylé. Je trouve ça, voilà. Et puis en plus, quand on regarde sur tous les côtés, bah ça repart un peu en... Avec les feuilles qui montent, on voit que ça prend à peu près le même motif, donc à peu près dans tous les sens. Donc du coup, je trouve ça à peu près... Je trouve que c'est sympa. Donc voilà, bah c'est tout en tout cas pour ce tuto. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas en tout cas à me dire vos retours dans les commentaires. Voilà, si ça vous a pas plu, si vous avez pas aimé, qu'est-ce que vous voudrez comme tuto. Voilà, donnez vos idées dans les commentaires aussi. Hein. Et sinon, bah n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Et moi, je vous dis ciao. Merci d'avoir regardé. C'était Naïghost.